Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce très joli panier, comme vous pouvez voir. Donc, il est vraiment très très grand. Il est idéal en fait pour mettre dans une chambre ou un panier à linge. Si vous le continuez, ça pourrait être très bien un panier à linge. Vous avez vu la tenue, elle est très très bonne. Donc ensuite, moi, c'est destiné donc à ma fille pour ranger tous ses jouets. Voilà. Donc je trouve ça vraiment très classe en fait, à la place de un bac en plastique ou quoi que ce soit. Vraiment de mettre ce détail en fait dans une chambre, ça fait toute la différence. Donc pour le réaliser, j'ai eu besoin de deux pelotes, moi, de la couleur rose. En fait, la première couleur, vous allez en avoir besoin de deux pelotes. Pourquoi? Parce qu'on va faire le fond de cette couleur là donc moi, j'ai choisi de faire le fond rose ainsi que la moitié du panier. Comme vous pouvez voir, la fleur, la couleur rose est aussi présente dans la corde, donc deux pelotes. Et de la deuxième couleur, donc c'est-à-dire qui va servir juste un petit peu pour la tresse et l'autre moitié du panier, une pelote. Donc moi, dans mon cas, c'est la grise. Donc avec trois pelotes de Trapixel, si vous voulez le faire bien sûr en une seule couleur, vous pouvez faire votre panier. Voilà. Il vous restera vraiment peu de Trapixel. Vous pouvez faire à la limite avec vos restes un tout petit panier ou voilà. Ensuite, j'ai utilisé, comme vous pouvez voir, des ciseaux, un marqueur, un crochet numéro 6, donc j'ai pris le ergonomique qui est beaucoup plus agréable à travailler. Et j'ai pris aussi donc une aiguille à laine. Voici, c'est tout. On va passer maintenant aux dimensions. Pour les dimensions du panier, donc je vais vous les donner de suite. Donc du haut jusqu'en bas, évidemment, vous pouvez le continuer. Il fait 29 cm. Donc quasiment 30 cm, ce qui est vraiment en fait très haut. Mais vous pouvez faire donc en rachetant une pelote de plus, donc c'est-à-dire il vous faudrait 4 pelotes de Trapixel, refaire de nouveau la même quantité qu'on a fait ici grise par exemple, de nouveau d'une autre couleur, par exemple je sais pas, gris plus clair ou beige, ou de nouveau rose. Et de nouveau, vous auriez en fait plus grand. Vous pourrez faire un bac à linge ou voilà, il serait plus grand. Moi, je l'ai fait comme, pourquoi comme ça? Pour que ma fille, en fait, ait moins de mal à récupérer ses jouets. Mais si vous, parce qu'elle a que 7 ans, mais si vous voulez plus haut, vous pouvez sans aucun problème. Donc, comme je vous disais, 29 cm et de diamètre, 30 cm. Donc, ce qui est vraiment grand de diamètre. Vous voyez, ça vous fait un cercle de 30 cm. Donc, voici les mesures donc de ce joli panier. Et la fleur, je vais vous la mesurer aussi, comme ça c'est fait. Moi, elle me fait 10 cm, vous voyez? Voilà. Donc, voici les mesures. Si vous voulez voir d'autres idées avec le Trapixel, d'autres modèles, n'hésitez pas à me le dire donc en commentaire. Et je prendrai en compte donc toutes les idées. On commence le panier par faire un nœud coulant. Donc, comme ceci. Et on va venir donc fixer ce nœud coulant avec une maille en l'air. Ici même, ce qu'on va venir faire, c'est 8 mailles serrées. Donc on va faire la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième et la huitième. On va tirer le nœud coulant déjà pour unir les 8 mailles serrées en rond. Et la huitième, avant de la terminer, on va venir prendre le brin arrière de la première maille serrée qu'on avait fait. Et là, oui, on peut unir tout en même temps. Comme ceci. Là, nous avons uni le rang numéro 1. Maintenant, le rang numéro 2. On commence donc au centre de la première maille serrée, vous voyez, qui est là. On va venir à son centre et on va venir faire donc la première maille serrée du rang numéro 2. Cette première maille serrée, je vous conseille donc de prendre un marqueur et on va la marquer. Donc, vous prenez le marqueur et on va venir marquer la première maille serrée.
Maintenant, au même endroit, on va refaire donc une deuxième maille serrée, puisque tout le rang va faire que des augmentations. Maintenant, on va dans la maille suivante, qui est ici. Et à son centre, on vient faire deux mailles serrées. Une. Et deux. De nouveau, je vais dans la maille suivante. Augmentation. Donc toujours au centre, vous voyez, des mailles serrées. Hein. Il faut vraiment pas faire les mailles serrées normales, c'est vraiment pas joli. Donc une et la deuxième. Je vais dans la maille suivante et je recommence la séquence. Je vais faire que des augmentations, donc au total 8, jusqu'à terminer mon rang. Et j'aurai 16 mailles serrées. Donc de toute façon, je vais vous marquer toujours le nombre de mailles serrées que vous aurez à la fin de chaque rang ici. Donc maintenant on continue. Une. Et deux mailles serrées. Je vais dans la maille suivante et je refais pareil. Une. Deux. Donc là, on va compter. Donc on a une, deux, trois, quatre, cinq, six augmentations. Il m'en manque deux. Donc je vais dans la maille suivante. Une. Et deux mailles serrées. Dans la maille suivante de nouveau. Une. Et la deuxième de la dernière augmentation, je la fais sans terminer. Je vais venir tout simplement enlever le marqueur. Vous prenez le bras arrière et vous unissez tout d'un coup. Donc travailler souple, hein, c'est important. Donc maintenant, ici même, ici, au centre de la première maille serrée qu'on avait fait, on va venir et on va faire la première maille serrée. Donc on fait une maille serrée individuelle. Cette première maille serrée individuelle, on vient et on la marque. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter, donc après la maille serrée individuelle, vous faites une augmentation. Dans la maille suivante, au centre, deux mailles serrées. Une, et au même endroit, une deuxième. Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter. Donc, de nouveau, dans la maille suivante, une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Et ça, c'est ce que vous allez répéter tout votre rang. J'ai quasiment terminé le troisième rang. Comme vous pouvez voir, j'ai fait ma deuxième maille serrée de la dernière augmentation sans terminer puisque je vais unir. Donc j'enlève le marqueur. Et ce qu'on va venir faire, c'est prendre le bras arrière donc de la maille suivante. Ici, de la première maille du rang du coup. Et je vais venir faire donc la maille coulée. Maintenant, ici, donc dans la première maille serrée, vous voyez qu'il y a ici du rang. Je fais ma première maille serrée du rang numéro donc 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Celle-là, on la marque. C'est la première du rang numéro 4. Maintenant, la séquence qu'il faut faire, donc c'est ici même, on va refaire une maille serrée. Du coup, on commence par une augmentation, le rang numéro 4. Maintenant, on fait deux mailles serrées individuelles. Donc, dans les deux mailles suivantes, vous faites deux mailles serrées individuelles. Une et deux. Ça, réellement, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Donc, on recommence, on fait une augmentation dans la maille qui suit. Une et une deuxième maille serrée au même endroit. Et là, on fait deux mailles serrées individuelles. Une. Et une deuxième. Ça, c'est la séquence qu'il faut suivre. Une augmentation, deux mailles serrées individuelles. Une augmentation, deux mailles serrées individuelles. Et vous allez voir qu'on va terminer par les deux mailles serrées individuelles. La deuxième des deux, vous la faites sans terminer. Et on se retrouve. J'ai quasiment terminé le rang, donc maintenant ce qu'on va venir faire,
J'ai terminé par une maille serrée sans terminer, comme je vous disais tout à l'heure. J'enlève le marqueur et je vais unir donc mon rond. Comme ceci. Maintenant, on commence directement à faire la première maille serrée, ici, du rang numéro 5. Donc on fait une maille serrée, la première on la marque. Maintenant on fait une augmentation dans la maille suivante, 1, 2. Maintenant on va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3. Ça c'est la séquence qu'on va devoir répéter. Donc de nouveau on va venir faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, on fait 1, 2 et la troisième maille serrée individuelle. Ça, c'est la séquence qu'il faut suivre. Une augmentation, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles, jusqu'à terminer tout votre rang. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer donc mon cinquième rang. Maintenant, on enlève le marqueur. J'ai fait ma deuxième maille serrée sans terminer puisqu'on a commencé par une maille serrée. Du coup, ça complète la séquence de 3 mailles serrées. Donc, on prend le brin arrière de la première maille serrée donc du rang et on va venir faire donc la maille coulée comme ceci. Maintenant, on va commencer donc, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, le sixième rang. Et le sixième rang, ce qu'on va venir faire, c'est 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. Donc on commence la première. On fait la première. Et la première, on la marque tout de suite, avant d'oublier. Donc une, on fait la deuxième. On fait la troisième. Et on fait la quatrième. Maintenant, dans la maille qui suit, on va venir faire une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Vous voyez? Et là, on a la séquence qu'il faut répéter. Donc de nouveau, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer le rang. J'ai quasiment terminé le sixième rang, donc maintenant pareil. La deuxième maille serrée de l'augmentation, je l'ai laissée sans terminer. Et je vais venir tout simplement enlever le marqueur. Piquer dans le brin arrière de la première maille serrée et venir faire donc ma maille coulée. Maintenant, on va commencer le septième rang. Donc, le septième rang, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est... Donc, ici même, dans la première maille serrée, vous venez faire votre première maille serrée du septième rang. Et vous allez venir la marquer. Donc là, la séquence normale, dans le rang qu'on va commencer maintenant, ça va être donc 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation. Mais pour que les augmentations, en fait, ne tombent pas toujours au même endroit, ce qu'on va venir faire, c'est casser la séquence ici, vous voyez? Donc, on va venir faire tout simplement une maille serrée, une deuxième, et là, on fait une augmentation. Dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées. Donc une. Et vous faites une deuxième maille serrée. Et en fait, là, comme j'ai fait 2 mailles serrées, une augmentation, maintenant, je vais faire de nouveau 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées. Donc la séquence ensuite se fait normalement. Et à la fin, comme ici, j'ai commencé par 2, je finirai par 3 mailles serrées qui me complétera donc la série. Tout simplement. Donc là, après l'augmentation, je viens faire mes 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et la cinquième individuelle. Donc là, j'ai mal piqué. La cinquième individuelle. Maintenant, dans la maille qui suit, on va venir faire l'augmentation.
Donc deux mailles serrées dans la même maille. Donc une et deux. Vous voyez ? Tout simplement. Donc ça, c'est la séquence qu'il faut suivre jusqu'à terminer. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et à la fin, vous allez voir que vous allez avoir 3 mailles serrées. La troisième, vous la faites sans terminer. Et on se retrouve. J'ai terminé, vous voyez, quasiment le 7e rang. Donc maintenant, tout simplement, la troisième maille serrée, je l'ai faite sans terminer. Et on va venir unir. On va enlever le marqueur déjà pour commencer. Et on vient prendre donc le brin arrière de la première maille serrée, vous voyez, ici. Et on fait tout simplement maille coulée. Ici même, donc dans la première maille serrée, on va commencer donc le rang numéro 8 en faisant une maille serrée et on va la marquer. Donc là, la séquence serait 6 mailles serrées, une augmentation. Et ce que je vais venir faire, donc, c'est ça. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et là, dans la maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter. 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer donc le rang. Et on se retrouve. Donc là, j'ai quasiment terminé le 8e rang. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est enlever le marqueur et on va l'unir. Donc ici, la deuxième donc maille serrée de l'augmentation, la fait, vous voyez, sans terminer. Et on va prendre le brin arrière de la première maille et on fait comme d'habitude. Maintenant, on va commencer donc le rang suivant. Le rang suivant, là, on devrait faire 7 mailles serrées, une augmentation, tout le rang. Mais on va casser de nouveau la séquence pour maintenir en fait le fond plat, vous voyez? Pour qu'il se maintienne bien, bien plat. Donc, pour cela, on va venir faire donc ici même la première. Donc, dans la première, vous faites la première maille serrée du rang et vous la marquez, n'oubliez pas. Et en fait, au lieu de faire 7 mailles serrées, donc que je mette déjà mon marqueur. On va faire 3 mailles serrées. Donc là, 2. Et 3 mailles serrées. Après les 3 mailles serrées, on va venir faire l'augmentation dans la maille suivante. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on va faire de nouveau. Donc maintenant, on reprend la séquence normale. Et la séquence normale, c'est 7 mailles serrées. 1. 2. 3. 4, 5, 6 et la 7e. Et maintenant dans la maille suivante, on vient faire l'augmentation. Donc 2 mailles serrées, 1 et 2. Ça, c'est la séquence qu'il faut que vous répétiez. Donc maintenant, 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer tout votre rang. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer le 9e rang. Donc maintenant, toujours pareil. Hein. Ici, vous voyez la 4e maille serrée, je l'ai faite sans terminer. Donc j'enlève le marqueur. Et je vais venir tout simplement prendre le brin arrière de la première maille et maille coulée dans tout. Maintenant ici, donc dans la première maille serrée, je vais faire donc la séquence qu'il faudrait faire, c'est 8 mailles serrées, une augmentation. Donc il faut que je regarde, l'augmentation est là, vous voyez. Donc là, oui, je peux faire mes 8 mailles serrées, une augmentation. Donc je vais faire 8 mailles serrées. Donc la première des 8, on la fait et on la marque. N'oubliez pas, donc ça c'est important. Puisqu'avec ce point, regardez. Vous voyez, c'est difficile à voir où on a commencé en fait. Si vous venez de commencer, ou même hein, si vous ne venez pas de commencer, mais un oubli, ça peut arriver. Donc marquez toujours la première maille, c'est mieux. Donc là, on fait la deuxième. On va venir faire la troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième,
la 7e et la 8e. Maintenant, dans la maille suivante, on va venir faire une augmentation. Donc, deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter tout votre rang. 8 mailles serrées, une augmentation. 8 mailles serrées, une augmentation jusqu'à terminer le rang. Et on se retrouve. J'ai quasiment terminé le rang. Donc, ici, j'ai fait donc... Alors, attendez. Donc, la deuxième maille serrée de l'augmentation, je l'ai faite sans terminer. Maintenant, j'ai juste enlevé le marqueur et faire une maille coulée dans le brin arrière et fermer tout. Alors, moi, que je vous explique un petit peu, donc ici, le fond, je vais vous le mesurer. Moi, personnellement, je vais m'arrêter là. Donc, je vais vous dézoomer un petit peu parce que sinon, vous n'allez pas du tout voir. Voilà ce qu'on obtient donc à ce stade. Vous voyez, vous pouvez le faire encore plus rond comme ça, vous tirez un petit peu sur les côtés. Voilà, il reste absolument plat, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, il est parfait. Donc là, on a la base terminée. Donc moi, je vais vous dire comment j'ai fait. En tout cas, si vous voulez le continuer, vous avez compris le principe. Tout ce qu'il faut, c'est que les augmentations, vous voyez, ne tombent pas au même endroit. Donc par exemple, j'ai terminé par une augmentation. Donc, l'augmentation, il faudrait, le rang suivant, il faudrait qu'il y ait 9 mailles serrées. Là, par exemple, vous pouvez faire 4 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, vous prenez la séquence normale. 9 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, vous terminez par les 5 mailles serrées. Et ainsi de suite, il ne faut vraiment pas que les augmentations restent au même endroit parce que sinon, vous n'allez pas avoir un cercle comme ça. Vous allez avoir, en fait, que des côtés comme ça, très droits et ça ne va pas faire très joli. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je vais vous le mesurer. Donc, moi, là, je m'arrête là. Il fait presque 30 cm. Donc, pour moi, ça, c'est un bon panier. Donc, maintenant, ce que je vais venir faire, donc, une fois que vous avez vraiment les dimensions voulues, on va venir faire un bord de mailles coulées pour pouvoir ensuite travailler la partie droite. Donc maintenant, pour commencer le rang de mailles coulées, on va tout simplement prendre le fond et le mettre donc à l'envers. Vous voyez? Donc ça, moi ce fil-là, personnellement, je vais le cacher plus tard, pas maintenant. Vous pouvez déjà vous avancer, hein, il n'y a pas de problème. Et donc déjà ça, je vais l'avancer pour que vous voyez bien où je vais piquer le crochet, etc. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, regardez. On va venir tout simplement... Donc, à l'envers, comme je vous disais, vous allez venir placer le fil en haut et vous allez venir piquer à chaque fois, ici, vous voyez, chaque fois les mailles entières. Maille coulée. Je vais ici, je fais la même chose, je le prends. Maille coulée. Je vais dans la maille suivante. Maille coulée. Et ça, c'est ce qu'on va venir donc répéter en fait tout simplement tout le tour. Et on se retrouve. J'ai terminé de faire ma dernière maille coulée, donc maintenant tout simplement on va retourner l'ouvrage et on va venir commencer donc à travailler. Pour cela, vous voyez, j'ai placé mon fil derrière pour pas qu'il reste comme ceci, regardez. Je veux qu'il passe par derrière mon crochet. Maintenant, on va venir, donc ici, vous avez une maille de ce côté-là. Et ici, derrière, on va venir prendre celle de derrière. Donc, on vient piquer dans les deux brins derrière. Ici, comme vous pouvez voir. Et je viens faire ma première maille serrée. Donc là, je vais vous conseiller, comme d'habitude, c'est de marquer la première. Pour ne pas vous tromper. Maintenant, on va dans la suivante. Donc derrière, n'oubliez pas. Et vous venez faire votre deuxième maille serrée. Ici, pareil, maille serrée. Ici, de nouveau, maille serrée. Maille serrée. Et ça, c'est ce qu'on va venir faire donc dans toutes les mailles derrière. C'est des mailles serrées.
J'ai terminé quasiment tout mon rang, comme vous pouvez voir. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, donc pareil, la dernière maille serrée, je ne l'ai pas faite jusqu'au bout. Maintenant, vous enlevez le marqueur et vous allez venir unir comme jusqu'à maintenant, je vous ai montré. Donc, c'est-à-dire, vous allez venir prendre ici le bras arrière, prendre le fil et faire la maille coulée. Vous voyez ? Maintenant, ici même, vous venez et vous piquez et vous faites donc votre première maille serrée. Comme ceci. Et ça, donc vous allez faire des mailles serrées dans toutes les mailles. Donc en piquant bien au centre de chaque maille. Et ça, c'est ce que vous allez répéter tout votre rang. J'ai quasiment terminé mon rang. On va unir de la même façon que ce que je vous ai montré. Donc je vous le remontre. Vous allez venir donc tout simplement faire une, donc piquer dans le bras arrière de la première maille du rang et faire la maille coulée en fermant en même temps cette maille serrée là. Ensuite, vous venez ici, vous commencez votre nouveau rang. Donc moi, c'est le troisième et je marque la première maille serrée. Donc ça, c'est vraiment très important. Et on continue au centre de chaque maille serrée. Vous voyez, vous piquez et vous allez venir faire une maille serrée. Vous voyez? Tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez donc continuer jusqu'à avoir à peu près 10 cm de hauteur. Et à ce moment-là, on se retrouvera donc pour que je vous montre comment continuer. Je suis arrivée donc à ce stade-là. Comme vous pouvez voir, regardez, il tient vraiment bien. Et vous voyez, il y a une tenue excellente en fait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est changer de couleur. Donc, vous prenez la deuxième couleur que vous avez choisie. Vous pouvez également le faire toute la même couleur. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais moi, je vais changer de couleur. Donc, on va venir couper la couleur rose. Et comme ceci. Ensuite, on prend la nouvelle couleur. Donc, moi, j'ai choisi gris clair parce que je trouve que ça va très, très bien avec, avec la couleur rose. Donc, vous prenez la couleur grise et ce qu'on va venir faire, c'est enlever le marqueur. Je n'ai pas uni mon dernier rang. Je vais vous dire combien j'ai fait de rangs avant. Donc, j'ai fait au total de points jersey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs. 11 rangs, ça m'a donné, pour vous donner une idée, 14 cm. Donc, vous avez dit 10 cm, mais j'en ai fait 14. Parce que vraiment, c'est un grand panier. C'est vrai que c'est mieux de le faire plus haut. Comme ça, on peut mettre plus de choses dedans. Donc maintenant, on va prendre donc cette couleur. Et on va unir. Donc tout simplement, on pique normalement dans le brin arrière de la première maille, comme on faisait jusqu'à maintenant. Mais je vais ramener à la place donc du rose, je vais ramener tout simplement le gris. C'est tout ce qui change. Donc vous ramenez la couleur grise et vous faites votre maille coulée avec. Voilà. Et maintenant, on commence le rond normalement, mais avec la couleur grise. Et les petits morceaux ici de 3 pixels, les deux petits morceaux, je vais les cacher fur et à mesure que je crochette. Donc, je les tiens bien comme ceci. Je viens au centre de la première maille. Et comme d'habitude, on commence toujours de la même façon. Au centre, on fait une maille serrée. Mais la différence, c'est que maintenant, c'est gris. Et je vais venir faire tout simplement des mailles serrées au centre de chaque maille. Comme on faisait jusqu'à maintenant, mais c'est gris. J'ai terminé donc tout mon panier. Donc là, comme vous pouvez voir, pour moi, donc la hauteur me convient. Et de couleur grise, donc si vous faites le comme moi, avec d'autres couleurs même, mais ces combinaisons-là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rangs de la couleur grise. Donc là, je m'arrête. Donc à la fin, quand c'est terminé, ce qu'on va venir faire, c'est pas couper le fil. Parce que ça, on va pas couper le fil, on va d'abord faire le bord. Donc le bord, tout simplement. On se prépare du fil. Et on va venir, donc j'espère que vous voyez bien, tout simplement faire des mailles coulées. Donc vous rentrez en prenant les deux brins, vous voyez, comme ceci. Et vous faites maille coulée, vous voyez. Je viens donc dans la maille suivante, maille coulée. Dans la maille suivante,
mailles coulées. Essayez d'être lâche, de ne pas faire les mailles coulées trop serrées non plus pour ne pas déformer le joli panier. Voilà. Et on va faire ça donc tout notre tour. J'ai complètement terminé. Donc maintenant, quand vous avez fini, vous allez venir donc couper un morceau. Donc après avoir coupé le fil, tout simplement, on va venir tirer le fil et on va venir piquer ici à la première maille coulée, vous voyez, par derrière ici, vous attrapez un petit morceau, vous transpercez et vous allez venir tirer le fil pour que la maille chaînette ça reste tout aussi jolie. Donc ensuite, vous revenez, vous repiquez. Et vous allez le cacher comme ceci pour que ça fasse joli. Une fois donc que vous l'avez caché correctement, vous allez venir donc tourner le panier et venir donc tout simplement le cacher à l'intérieur. Donc cacher le fil. Voilà, donc à la fin, j'ai coupé le fil et là, vous avez le corps du panier complètement terminé. Donc, je vais vous changer l'angle et comme ça, vous allez le voir. Donc, voici le panier une fois complètement terminé. Donc, comme vous pouvez voir, il est vraiment joli. Donc, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. J'ai coupé 12 fils. Donc, j'en ai coupé 8 de la couleur rose et 4 de la couleur grise. J'ai mélangé tout ça, j'ai fait une jolie tresse. Et je l'ai passée, vous voyez, elle n'est pas cousue, elle tient très bien parce que je l'ai bien ajustée. Elle est cousue juste là, avec la fleur. Voilà. Donc si c'est destiné à un bébé, par exemple, qui pourrait avoir tendance à tirer, vous pouvez, avec un fil à coudre, coudre cette tresse, sans aucun problème. Moi, c'est destiné à ma fille de 7 ans, elle prend beaucoup soin de ses affaires, donc ça ne va pas bouger. Donc ensuite, je lui ai mis une fleur. Cette fleur-là, je ne la montre pas dans le tutoriel. Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà sur ma chaîne et elle est très exactement dans le tutoriel des cactus amigurumi que j'avais fait. Voilà. Donc, j'avais mis une petite fleur sur la tête. Allez voir, c'est exactement la même, sauf que je l'ai faite avec le trapixel. Ensuite, ici, les franges, c'est ce que j'ai laissé, en fait, des tresses. Vous voyez ? C'est ce qui dépasse. J'ai trouvé ça trop beau, en fait, de les laisser pendre. Ça fait une petite décoration de plus. Et donc, voici. Tout simplement, c'est vraiment... C'est tout bête, mais ça fait vraiment très joli, en fait. Donc, voici ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner, à visiter donc, nos sites. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, laissez en commentaire les projets que vous aimeriez bien voir, en fait, avec le trapixel. Que ce soit des coussins, des boîtes, vous savez, pour mettre en décoration dans les chambres, que ce soit, enfin, plein de choses, en fait. Est-ce qui vous passe par l'idée, vous me le dites, je le prendrai en compte. Voilà. Bisous.